Strasbourg 1978, championnat du monde. Concours par équipe. Dernière épreuve, dernier gymnaste évolué pour l'équipe japonaise, Tsukahara. La situation est claire. Une erreur de sa part et le titre suprême revient à l'URSS. La réussite et le Japon est à nouveau champion du monde. Voilà, c'est fait, bien fait. Et à cet instant précis, les vieux serviteurs savourent la victoire. Une victoire acquise pour la première fois en 1960. 18 ans de règne ininterrompu à la couronne mondiale et olympique. C'est là, un des épisodes de l'ère moderne de la gymnastique que nous allons tenter de raconter au travers des championnes et champions qui ont marqué cette période. Elle n'est plus toute jeune, cette équipe japonaise de 1978. Et les éléments qui la composent ont été de toutes les campagnes. Après Tsukahara, héros de la barre fixe, voici Kenmotsu. Coutumier des innovations. Triple vrille au sol. Soleil aux barres parallèles. Kenmotsu sera champion du monde 1970. Voici Kazamatsu, champion du monde absolu en 1974 et détenteur du titre mondial à la barre fixe en 1978. Mais avant, bien avant, il y avait eu Endo, ici entraîneur, là dans ses œuvres. Le style nippon, et Endo en est un exemple parfait, se caractérise par le dynamisme et la précision technique. Il faut reconnaître que la morphologie et les qualités innées des Japonais les prédestinaient particulièrement aux évolutions gymniques. Endo fut champion olympique en 1964. Il remporta par ailleurs de nombreux titres par spécialité. Kato lui succéda en 1968 et 1972. Kato, grand spécialiste des barres parallèles, mais aussi du sol, comme l'était alors tout japonais. L'exercice au sol de Kato, également champion olympique à cette discipline, répondait parfaitement aux exigences du code de l'époque. Un code récent, puisqu'établi pour la première fois en 1949, puis revu et corrigé les années suivantes. Référons-nous à celui-ci. Que demandait-il? Pour le sol, l'exercice devait comporter 6 parties B et une partie C. Exemple de ces difficultés non répertoriées et laissées à la libre appréciation des juges, enchaînement flic-flac, salto arrière, série de flic-flac avant et arrière, salto avant, appui tendu renversé en force, bras tendu, corps fléchi ou inversement, cercle des jambes, grand écart, etc. Élémentaire aujourd'hui, non? Autre grand spécialiste au sol, l'italien Franco Menichelli. Menichelli connaîtra son heure de gloire en 1960 en remportant le titre olympique à cette discipline justement. Puis, en 1965, en devenant champion d'Europe absolu. Par son dynamisme, son sens du rythme, ses qualités physiques et son originalité, il révolutionnera l'acrobatie, donnant à celle-ci une dimension nouvelle.
Et parlons justement de dimension. C'est en 1956 que le code de pointage définit exactement celle concernant les exercices au sol. Une surface de 12 mètres sur 12, constituée d'un plancher uni, ayant au moins 14 mètres sur 14, et dont l'emplacement sera recouvert d'un tapis en feutre ordinaire de 5 mm d'épaisseur et d'une toile de protection. Gros progrès en vérité, si l'on songe qu'auparavant, le sol se déroulait souvent sur des planchers de bois disjoints, non recouverts, ou sur toute autre surface, au gré des organisations. En 1950, par exemple, au championnat du monde de Bâle, le sol se déroulait en plein air, sur un terrain en herbe, délimité par des lignes tracées à la chaux. À cette époque, et depuis le fond des temps, la gymnastique masculine était surtout affaire de famille entre Suisses, qui dominaient la situation, Finlandais, Français, Italiens et autres Tchécoslovaques. Les individualités de l'époque avaient nom Altonen, Höxter, Dot, Lehmann, qui sera champion du monde, Stalder, dont tout le monde connaît le célèbre pied-main engagé à la barre fixe, qu'il fut le premier à réaliser. Nous retrouvons Stalder deux ans plus tard, en 1952, aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Le sol se pratique cette fois en intérieur, et sur une surface en bois recouverte, dixit le règlement, d'une espèce de toile à voile bien ajustée. Mais l'événement majeur, en fait, c'est l'apparition en compétition des Soviétiques. D'entrée, ces derniers s'imposent devant Suisses et Finlandais, et le premier grand champion de l'ère moderne à nom Tchoukarine. Par sa force, sa sûreté, sa régularité, Tchoukarine symbolise parfaitement la technique soviétique qui va imposer sa suprématie dans les décennies à venir. Tchoukarine sera encore champion du monde en 1954 et champion olympique en 1956. Affirme déjà une certaine avance technique. En témoignent ses cercles transversaux. Et le double check facial, qui prendra le nom de Russe Deyer, qu'ils sont les premiers à réaliser. De même, ces trous au saut. Et le premier soleil aux anneaux par Muratov. Muratov qui partagera avec Tchoukarine le titre mondial en 1954. Cependant, leur travail se caractérise surtout par la force. Une force présente à toutes les disciplines, qui leur permet de maîtriser des situations parfois très compromises.
et qui s'étale pleinement aux anneaux, à l'image de Chaguignan. Et surtout d'Azarian. Les Japonais, à l'inverse, affirment des qualités supérieures de détente et de souplesse et font preuve d'une certaine originalité. Mais il leur faudra attendre 1960 pour se hisser à la première place. Durant ce temps, les Soviétiques continuent d'affirmer leur présence grâce à des individualités de premier plan, parmi elles Boris Chatlin. Plusieurs années durant, il sera champion du monde 1958, puis champion olympique 1960. Chatlin demeurera un exemple de régularité et d'assurance. Durant son règne, un nouveau concours est institué, les finales par engin. Auparavant, seul existait le concours par équipe, qui déterminait les classements collectifs et individuels. Pour cette occasion, le code détermine les trois facteurs importants d'un exercice, la difficulté, la combinaison et l'exécution. Après Chatlin, il faudra attendre 1966 pour voir à nouveau un soviétique accéder au titre suprême, Voronin. Voronin fut le premier à effectuer en compétition un travail bras tendu aux anneaux. En 1971, un troisième concours est institué, réservé aux 36 meilleurs gymnastes de la compétition par équipe, et devant désigner, sur exercice libre seulement, le vainqueur du concours général individuel. Andrianov, autre soviétique, en profite pour devenir champion olympique en 1976. Andrianov, roi du double salto. C'est lui en effet qui le premier réalisa le double salto carpé puis tendu au sol, puis le double salto tendu en sortie à la barre fixe et aux anneaux. Anneaux dont il fut un brillant spécialiste, à l'image de ses compatriotes. Andrianov fut également champion du monde en 1978. Le code innove, qui introduit dans la taxation le rov, terme barbare qui désigne le risque, l'originalité et la virtuosité, dont le gymnaste doit désormais faire preuve pour obtenir le maximum de points. Champion d'Europe 1957, Joachim Blum ignorait tout du rov, et pour cause. Il n'en fut pas moins un gymnaste d'exception, le premier à avoir mis en échec les soviétiques. Il disparut trop tôt, hélas, victime d'un accident d'avion, à l'aube des Jeux Olympiques de 1960, dont il était devenu l'un des grands favoris. Le soviétique Klimenko, en ce qui le concerne, fut champion d'Europe en 1972. Mais en fait, son plus grand titre de gloire fut d'assurer l'intérim au cheval d'Arçon. De 1962 à 1980, soit pendant 18 ans, cette discipline allait en effet ne connaître que deux maîtres. 1962-1970, le Yougoslave Miroslav Serar. 1974-1980, le Hongrois Magyar. Serar, grand, mince, souple, fit progresser à grands pas la technique des arçons. C'est lui le premier qui effectua dans la continuité un déplacement sur les trois parties du cheval. Et l'ampleur de ces ciseaux préfigure les cercles d'une jambe qui par la suite fleuriront à presque toutes les disciplines. À remarquer qu'à cette époque, les arçons, le cheval, présentait une surface nettement bombée, ce qui ne favorisait guère l'équilibre. Quant à Magyar, chaque gymnaste connaît aujourd'hui le transport du même nom, ce déplacement transversal sur toute la longueur du cheval, avec pose des mains sur les différentes parties de celui-ci.
Magyar profita par ailleurs de l'aplanissement progressif des surfaces d'appui pour réaliser le premier, les cercles et changements de face sur un arçon. Évolution courante aujourd'hui. Que de progrès depuis 1950, époque où le Finlandais Aaltonen comptait parmi les meilleurs à cette discipline. Stockley, Tremlott, Tchèque représentaient alors les plus hautes difficultés. Dans les années 70-80, quelques spécialistes de diverses nationalités se hissèrent au premier plan. Parmi elles, le soviétique Lisitsky. Un autre soviétique, Diamidov. L'Allemand de l'Ouest, Ginger. Le Bulgare, Delchev. Le soviétique, Katchev. Tous célèbres par les exercices dont ils furent les créateurs et auxquels ils donnèrent leur nom. Il y eut aussi les Américains, avec Kaoy. Les Américains confirmèrent en 1978 leur grand talent. Kaoy, dont la faculté de fermeture est pour le moins impressionnante. Surtout, Kurt Thomas. Thomas qui décrocha le titre au sol et gagna la postérité en léguant son nom au cercle du jump, aux arçons et au sol. En 1978, Moukina, la soviétique, est championne du monde. Ce sera son seul titre, puisque malheureusement, un accident l'écartera peu après et définitivement de la compétition. Son pays, l'URSS, triomphe pour la 13e fois depuis son apparition en compétition aux Jeux d'Helsinki en 1952. Ce n'est donc pas une surprise. La surprise, s'il en est une toutefois, vient des Américaines, avec Katie Johnson, dont la grâce et les qualités chorégraphiques lui vaudront une troisième place au sol. Avec Frédéric surtout, au dynamisme endiablé, et qui s'adjugera la médaille d'or au bar. Les bars constituent, serait-on tenté de dire, un domaine privilégié des gymnastes du Nouveau Monde. 12 ans plus tôt, en effet, au championnat du monde de 1966, une autre américaine, Brose, s'était particulièrement distinguée. Son exercice, en avant sur son temps, avait étonné alors par son rythme et son audace, à tel point d'ailleurs que le jury, l'estimant trop difficile et dangereux, l'avait sanctionné et noté plus que sévèrement. Cette décision avait suscité auprès du public un immense tollé, dont les anciens se souviennent encore. Mais remontons à nouveau le temps, et revenons en 1950, notre point de départ, pour constater tout le chemin parcouru par ces féminines. C'est alors le tout début, et sur les barres, qui sont en quelque sorte des barres parallèles masculines à deux hauteurs, on ne sait pas encore très bien quel travail effectuer. En fait, c'est un mélange de barres parallèles, de barres fixes et de poutres, le tout réalisé avec un peu d'incertitude et beaucoup d'appréhension.
Sur la poutre, les évolutions apparaissent pour le moins timorées. À l'image même de la championne du monde, la Polonaise Rakoczy. On s'essaie timidement à l'acrobatie. Mais l'essentiel reste constitué de figures rythmiques. Quant au saut, on peut dire que ça vole plutôt bas. En réalité, tout cela n'est que balbutiement, ce qui n'écarte pas les discussions. En ces temps-là, ces dames pratiquent davantage le collectif, en d'aimables divertissements d'ensemble avec engins, qui demeureront au programme jusqu'en 1956. Ils deviendront plus tard la GRS que l'on connaît aujourd'hui. L'année 1952 marque le vrai départ de la gymnastique féminine, avec la venue des pays de l'Est, dont la Hongrie et surtout l'URSS, qui se partageront les titres par équipe et individuelle. La soviétique Gorokovskaja est la première championne olympique de l'histoire de la gymnastique féminine. En 1948, à Londres, ne s'était déroulée en effet qu'une compétition par équipe, c'est dire l'importance de l'événement. Gorokovskaja, ainsi que ses équipières et adversaires de l'Est, apportent un sang nouveau à la gymnastique féminine. Les évolutions aux différents agrès deviennent moins timides et l'on voit apparaître des figures gymniques inédites. Exemple au bar, les bascules. Celles-ci vont constituer par la suite la base des exercices à cette discipline et y privilégier la technique de barflex. C'est particulièrement évident quelques années plus tard, où dans cet exercice de la hongroise Makrai, on ne compte pas moins de 6 bascules. Les femmes bénéficient par ailleurs de l'amélioration apportée par les hommes au matériel. Ainsi, au saut, grâce à l'arrivée du tremplin semi-souple, voit-on se dessiner l'amorce d'envolée. Les sauts eux-mêmes deviennent plus variés. À la poutre, l'assurance et l'équilibre s'affirment de plus en plus. Les pieds ne sont plus collés à l'engin. On y effectue des tours, des sauts. On réalise même la roue. Tous ces progrès sont surtout le fait des gymnastes de l'URSS et des autres pays de l'Est européen qui, dès 1952, ne cesseront d'affirmer leur supériorité. Cette époque est l'apanage de gymnastes chevronnés, à la valeur confirmée et unanimement reconnue. De 1956 à 1974, 3 championnes seulement se partageront en effet les titres. Larissa Latinina, soviétique comme son nom le laisse deviner, sera intouchable de 1956 à 1964. Pendant ce laps de temps, elle remportera, exploit non réédité à ce jour, 6 titres absolus. 2 Olympiques, 2 Mondiaux et 2 Européens. Les évolutions au sol commencent à se démarquer un peu de la danse. Néanmoins, les gymnastes sont encore plus artistes qu'acrobates.
Remarquez la musique d'accompagnement. Introduite pour la première fois en 1958, elle était alors originale et exécutée à un seul instrument, le piano dans la plupart des cas. La Tchécoslovaque Vera Kaslavska succédera à Latinina en 1964 et jusqu'en 1968. 5 titres pour elle, 2 Olympiques, 2 Européens et un Mondial. Comme on peut le constater, les barres n'ont guère évolué dans leur forme, à l'inverse de la technique des gymnastes. Ces dernières, telles Kaslavska, effectuent désormais à cet agrès des exercices audacieux et pour le moins méritants. Ensuite également, et jusqu'en 1974, la soviétique Touricheva demeurera la championne incontestée. À son actif, 5 titres également, 2 mondiaux, 2 européens et un olympique. On peut s'étonner de cette longévité au plus haut niveau. La raison, on la trouve dans le conservatisme intransigeant du comité technique féminin d'alors. Celui-ci, en effet, désireux de se démarquer de son collègue masculin, opéra de longues années durant un barrage systématique aux nouvelles techniques plus orientées vers l'acrobatie. Et cela, grâce à un code de pointage volontairement vague et peu fourni, qui laissait toute liberté à un jury tout acquis. Il faudra la poussée conjointe de quelques individualités précurseurs et du public à l'occasion de grands rendez-vous pour faire évoluer la situation. Un de ces événements sera en 1972, au JO de Munich, l'apparition de la jeune soviétique Olga Korbut. Gracieuse jusqu'au bout des tresses, sa beauté, son étonnante souplesse, sa grâce aérienne, embouteront littéralement le public et les médias qui feront d'elle une véritable star. Elle fut la première à réaliser un salto arrière à la poutre, exercice jugé alors trop acrobatique et dangereux par la commission féminine, qui pensa en interdire l'exécution. Bien que n'ayant remporté aucun grand titre, son apparition marque un tournant dans la gymnastique féminine. Avec elle, venait de naître la gymnastique spectacle. Autour des années 60, il était encore courant de voir le sol se pratiquer sur un terrain de basket, même s'agissant de rencontres internationales. En découvrant les praticables modernes, confortables et moelleux, on mesure aujourd'hui tout le chemin parcouru dans l'évolution du matériel. Les pistes d'élan, les tremplins sont devenus plus souples. Dans le même temps, le code, aidé par le génie inventif des constructeurs, a progressivement modelé, modifié dans leur forme et parfois leur dimension, les différents agrès. Mais ce qui, durant ces années, a généré les progrès les plus spectaculaires est, sans nul doute, l'amélioration des méthodes d'entraînement. Plus de temps, plus de moyens, plus de recherches. La pratique du mini-trampoline, du trampoline, a ouvert aux gymnastes un domaine acrobatique jusqu'alors insoupçonné. Et aussitôt transposable aux disciplines gymniques, grâce à la conception d'un matériel adapté, les fosses de réception entre autres. Celles-ci ont autorisé dans le même temps l'apprentissage sans danger des exercices les plus périlleux. Cela se traduit par ces figures audacieuses et spectaculaires, Katchev, Ginger, Foulin, qui fleurissent désormais à toutes les épreuves, féminines comme masculines. Cette évolution vers l'acrobatie du plus haut niveau a engendré une nouvelle race de gymnastes. Ce fut particulièrement soudain et spectaculaire dans les années 1975, avec l'apparition et l'avènement chez les féminines de toutes jeunes gymnastes à la morphologie enfantine. Leur légèreté, leur qualité de souplesse et d'équilibre se sont merveilleusement adaptées aux nouvelles exigences du travail gymnique et ont généré des exercices dont la réalisation paraissait impensable auparavant. Dans le même temps et pour cause, l'entraînement est devenu plus dur, plus long, plus éprouvant, nécessitant plus de force, d'endurance, de souplesse. Il s'est personnalisé avec un programme de préparation propre à chaque gymnaste,
rejoignant dans cela, et à un degré encore plus intense car plus complet, la formation des acrobates de cirque, pourtant si fortement décriée jadis. Nadia Comăneci illustre parfaitement ce phénomène. Fruit de l'école roumaine impitoyable, elle affirme des qualités exceptionnelles au service d'une technique irréprochable. Elle est sacrée reine des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. À cette occasion, elle collectionne du jamais vu encore les notes maximales, réussissant à faire oublier même ses plus grandes rivales, pourtant remarquables elles aussi. Et parmi ses rivales, la soviétique Nelly Kim, qui ne remportera que des accessites. Pourtant, un titre de championne du monde absolu viendra, en 1979, récompenser son grand talent. En cette année 1976, Yuri Titov devient président de la Fédération internationale. Un titre de plus pour ce brillant dirigeant qui en collectionna plus d'un dans les années 60 et fut même champion du monde en 1962. C'est également cette année 1976 que choisit la gymnastique française pour faire sa réapparition au plus haut niveau grâce à Henri Boériau, médaille de bronze à la barre fixe au JO de Montréal. Réapparition en effet, car il faut remonter le temps de 26 années, soit à notre premier rendez-vous de Bâle en 1950, championnat du monde, pour trouver un Français à l'honneur, Raymond Dot en la circonstance, deux fois troisième, aux barres parallèles et au sol. Suivant l'exemple lointain de Dot et plus proche de Boériau, les spécialistes français se montreront dès lors plus souvent au plus haut niveau. Boutard sera médaille de bronze au championnat d'Europe de 1979. Deux ans plus tard, au championnat d'Europe également, il fera mieux encore en remportant l'argent cette fois à ces mêmes arceaux. Batouane décrochera l'argent à la barre fixe au championnat du monde de 1983 à Budapest. Il montera à nouveau sur le podium l'année suivante aux Jeux Olympiques de Los Angeles pour une troisième place au sol. Enfin, Laurent Barbieri s'adjugera la deuxième place au saut
au championnat du monde de Montréal en 1985. À ce propos, revoyons quelques-uns des meilleurs spécialistes du saut de ces dernières décennies dans un résumé condensé qui nous permettra d'apprécier l'évolution survenue à cette discipline. Au tout début donc, le cheval, d'une longueur de 1,60 m pour 1,35 m de haut, était divisé en zones, 7 au début, puis 5, 3 et 2. Zones qui délimitaient ces trois parties, croupe, selle et cou, sur lesquelles devaient se poser les mains du gymnaste en fonction du saut choisi. Chaque zone mordue, qui ne correspondait pas à celle du saut réalisé, valait une pénalité. Un juge était désigné spécialement à cet effet. Au fil du temps, les dimensions du cheval évolueront peu. Sa surface, par contre, s'assouplira pour un appui plus confortable et efficace. Et surtout, la piste d'élan, le tremplin, deviendront élastiques, favorisant ainsi les envols. En ce qui le concerne, le tapis de croco dur et rugueux des premiers temps fera place à une surface à la fois moelleuse et ferme, qui assure désormais, sans danger ou presque, les réceptions les plus audacieuses. Revenons en 1979. Un soviétique, Dityatin, devient champion du monde. Il sera également champion olympique l'année suivante à Moscou. Grand, fin, élégant, très technique, Dityatin amorce le renouveau de la gymnastique soviétique. Et en triomphant de nombreuses fois aux anneaux, il se montre le digne successeur des Azarian, Voronin et autres Andrianov. L'année 81 apparaît exceptionnelle, avec la réapparition de la Chine, absente des compétitions depuis 1962. D'entrée, les Chinois retrouvent leur troisième place, révèlent un potentiel remarquable et affichent leur ambition majeure, le premier rang. Ce sera chose faite deux ans plus tard, en 1983, mais les Soviétiques reprendront leur bien en 1985. Des individualités étonnantes, Lénine. Et ton fait. Tous deux se retrouveront au sommet des podiums de Los Angeles en 1984. Les Chinoises, quant à elles, si elles ne brillent pas du même feu que leurs camarades masculins, n'en font pas moins une entrée remarquable et remarquée. Fines, élégantes, elles se montrent intrinsèquement les égales des meilleures, mais leur manque d'expérience, également l'excessive sévérité du jury à leur égard, les confinent dans les seconds rôles. Les premiers seront joués une nouvelle fois par les pays de l'Est, l'URSS en premier lieu. Cette fois, la poupée de service Anna Bitcherova. Ce sera le seul titre de sa courte carrière. Sa principale rivale, l'Allemande de l'Est, Gnauk. Celle-ci remportera trois spécialités sur quatre, mais manquera donc le titre suprême. Gnauk sera encore présente deux ans plus tard à Budapest, mais pour ne faire que de la figuration. La vedette en sera la soviétique Yurchenko.
Quant à la Roumaine Ekaterina Szabo, le titre mondial 83 lui échappera. Celui de 85 également. Tout comme le titre olympique en 1984 à Los Angeles, où nous voici justement. Pourtant, quel gymnaste! Technique parfaite, audace, élégance, sens artistique. Szabo possédait toutes les qualités propres à faire d'elle une championne de légende. Elle est vraiment passée à côté d'une carrière unique. C'est JO 84, une compétition à part, du fait de l'absence, pour cause de boycott, des pays de l'Est, hormis la Roumanie. Mais un spectacle formidable à l'américaine. Et c'est justement une équipe américaine pleine d'enthousiasme et de vie, survoltée, soutenue par tout un peuple qui triomphe devant Chinois et Japonais. Des individualités de premier plan composent cette équipe. Widmar, qui sera deuxième au classement général. Daggett, remarquable d'aisance à la barre fixe. Et Conner, le vétéran. Chacun auteur d'exploits authentiques et originaux. Mais ce sera pour la majorité d'entre eux la dernière apparition en compétition, le chant du cygne en quelque sorte, car les USA se retrouveront 2 ans plus tard au 9e rang, au fond du classement pour tout dire. Gushiken, quant à lui, révélé en 1981, en profite pour remporter son premier grand succès en devenant champion olympique. Il amorce ainsi le lent redressement du Japon, qui n'en finit plus de jouer les utilités après avoir tenu les premiers rôles durant des décennies. Programmée pour gagner, la poupée américaine Mary Lou Retton, star incontestée du petit écran et idole de toute une nation. Dynamique en diable, terriblement volontaire, elle apportera aux USA son premier grand titre féminin. Mais, étoile filante, elle ne brillera qu'un seul été, brûlée par les feux de son propre succès.
C'est à Los Angeles que la GRS obtient ses lettres de noblesse en devenant épreuve olympique. Promotion méritée pour cette discipline déjà ancienne et dominée depuis toujours par les pays de l'Est, l'URSS et la Bulgarie notamment. Avec la GRS particulièrement médiatique, la gymnastique s'ouvre plus grande encore les portes du spectacle sportif. Absent de Los Angeles pour cause de boycott, les soviétiques retrouvent le chemin des podiums en 1985 à Montréal. Leur triomphe est total, tant individuel que collectif, en masculin comme en féminin. Korolev retrouve son titre acquis pour la première fois en 1981. Quel beau gymnaste que ce Korolev! Il possède toutes les qualités, détente, force, souplesse, élégance, au service d'une technique irréprochable. Il représente le prototype de la nouvelle vague soviétique qui va déferler sur le monde gymnique dans la décennie future. Elena Shushunova, quant à elle, se révèle et fait l'unanimité. Avec un nom pareil, comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? Volontaire, élégante, son dynamisme, sa tonicité, ne sont pas sans rappeler l'américaine Loretton. Mais, à l'inverse de cette dernière, Shushunova brillera plus qu'un été. Elle sera en effet, apothéose de sa carrière, championne olympique à Séoul en 1988. Elle avait aussi remporté à Rotterdam en 1987 les titres mondiaux au saut et au sol. 87, année pourtant peu favorable aux féminines soviétiques, devancées par les roumaines. Et Shushunova par l'inattendu Aurelia Dobre, leur chef de file. Depuis l'apparition de Comăneci en 1976, les roumaines se sont sans cesse montrées les rivales les plus dangereuses de l'URSS. Ce titre mondial 1987 en témoigne. Comme en témoigne l'immense talent de Dobre. Au sein de sa propre équipe, une rivale d'exception. Daniela Silivas. Silivas, à Séoul, disputera jusqu'à la dernière épreuve le titre olympique à Shushunova. L'événement majeur cependant de cette année 87, c'est le retour à la compétition de Dimitri Bilozerchev. Un vrai miraculé. Un terrible accident, des fractures multiples, des semaines, des mois d'hôpital. Une longue et pénible rééducation, une traversée du désert de plusieurs années. Et le voici à Rotterdam, qui domine à nouveau agrès et adversaire, pour remporter ce titre mondial qu'il avait acquis une première fois en 1983, alors qu'il n'avait que 17 ans.
Sa supériorité est telle d'ailleurs que tous voient en lui le futur champion olympique l'année suivante à Séoul. À Séoul, nous y voici justement. Et Bilozerchev paraît bien dessiné à confirmer tous les pronostics. Concours 1B. Bilozerchev est à la lutte pour la première place au centième prêt avec ses compatriotes Artemov et Liukin. La barre fixe. Bilozerchev a la situation bien en main. Et puis, patatrac. La cassure. Excès de confiance, défaut de concentration, malchance, qui sait. Toujours est-il que c'en est fait désormais du titre olympique. Car ces dixièmes de points envolés ne se rattraperont pas, même si Bilozerchev, au concours des 36, fera le meilleur résultat avec 3-10 et un 9-90 comme plus faible note. Avec la réglementation actuelle qui annule les résultats antérieurs pour le concours des 36, Bilozerchev aurait certainement triomphé. Malchance quand il nous tient. Toujours est-il que cette malencontreuse défaillance fera l'affaire d'Artemov. Artemov a toujours été à l'honneur, jamais au sommet suprême. Cette fois, c'est fait. Et l'on comprend qu'il savoure cet instant avec délectation. Moulé dans le creuset de la gymnastique soviétique, comme le furent avant lui les Chakline, Titov et autres Andrianov, gymnaste régulier sans faute ni reproche, Artemov trouve en ce titre suprême et inespéré la juste récompense de son assiduité et des services rendus. Depuis 1978, les compétitions mondiales sont devenues annuelles. Médiatisation oblige. Au championnat du monde, désormais organisé toutes les deux années impaires, s'ajoutent en effet les Coupes du monde. Encore et toujours eux, les soviétiques Gorbchinsky et Bodzinskaya sont les actuels détenteurs des titres mondiaux. Honneur à eux donc, au terme de cette longue saga et à l'aube du deuxième millénaire. Gorbchinsky, déjà champion d'Europe, tout juste 20 ans et tout l'avenir devant lui. Bien entendu, maître aux anneaux, bon, sans ne saurait mentir. Bodzinskaya, bien qu'encore très jeune, fut longtemps dans l'ombre de Chouchounova. Elle trouve enfin la grande consécration. Ces deux brillants gymnastes représentent la nouvelle génération. Ce sont deux champions parmi tant d'autres, parmi des individualités multiples de tout pays, dont le grand talent ne manquera pas de s'exprimer au fil des nombreuses compétitions futures. Et justement, que nous réserve ce futur? Peut-on envisager dans les 40 années à venir une évolution de l'ampleur de celle que nous venons d'évoquer? Et en quelle direction se manifestera-t-elle? Vers plus d'acrobatie, de technique? Vers plus de perfection, de sens artistique?
vers la spécialisation, le spectacle total? Nul ne le sait précisément. Et c'est justement parce que cette ignorance ménage tous les scénarios possibles qu'elle abreuve et excite notre imagination. Le sport, la compétition sont avant tout incertitudes. Et les gymnastes, voleurs d'étincelles.